Né le 24 octobre 1938 en Koro de Marcel Kaboulo et d'Alphonsine Kibawa, Gabriel Kyungu est président du parti Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, qu'il a créé après l'UFERI. Il a été élu président de l'Assemblée provinciale du Katanga après les premières élections 2006, plusieurs fois député national et provincial. C'est lui qu'on appelait affectueusement Baba wa Katanga, sera à nouveau à la tête de l'organe délibérant du Haut-Katanga depuis le 20 février 2021 à ses jours. Bien avant, Gabriel Kyungu était nommé président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo depuis le 3 juin 2019. L'ex-gouverneur du Katanga a travaillé également dans l'administration publique, notamment à la SNCC, comme cadre d'entreprise ensuite de 1965 à 1968, aux côtés de l'ancien ministre du Sport, Augustin Kibasa Maliba. Au niveau national, Gabriel Kyungu Wakumwanza a été désigné par ce pair en sa qualité de doyen d'âge pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale jusqu'à l'installation du bureau définitif. Baba Wakatanga, entendez, père du Katanga, aura bénéficié du suffrage de sa population, particulièrement de la ville de Lubumbashi et son fief, la commune de la Kenya, où son parti est fort implanté. Proche de Moïse Katumbi et plus tard bras droit du président Félix Tshisekedi, on reconnaît Kyungu Wakumwanza au travers de sa célèbre phrase « L'autonomie totale du Katanga, l'autodétermination de la province ». C'est le samedi 21 août 2021 que Kyungu Wakumwanza Gabriel a tiré sa révérence à Luanda en Angola où il était hospitalisé. Il laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants dont certains sont actifs en politique.